Oh, la pelle dans le genou. Oh, je suis déçu. Oh, dans la poitrine. Oh. Deuxième. Oui. Le pardon. T'as rien vu. Chouin. Oh. Il l'a pris au lit. Oh. Violence.
Schling. Ta-ta-ta-ta. Quoi, il l'a mangé, mais il l'a mangé. Ding. S'est rendu compte de rien. Chouin. Alors mamie, on tient plus sur ses jambes, on est vieux. C'est tout ce que t'auras le droit, un coup de bouclier. Là.
Allez. Et la bonne journée. Alors, je suis presque sûr que d'origine, c'est pas censé être comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ça n'a rien à voir avec la zone de base. J'ai pas un sort de conjuration, si, le squelette. Oh, le lunatique aussi, ça va. Tu veux jouer à la hache? Bon, on va jouer au bouclier, mon pote. J'ai pas de bouclier. Tac tac. Je connaissais pas cet endroit d'origine, mais ouais. Tiens. Allez. Comme tu dirais, la bonne journée. Ça y est, il recommence. Ah bah bon, c'est fait écoute. Tic. Tiens. Thank you.
Armure de quoi?
Putain, mais je relâche, mais le truc il pète quand même. Ta mère, putain. Bah quoi, mais encore mieux. Putain, j'étais dessus, quoi. Mais quoi? Mais putain. Ah bah putain.
Salut Bichette. D'accord, merci la parade. Ça va et toi? Quoi de neuf? Comment la voler? J'ai ma connexion de 22. Ah bah cool, tu vas pouvoir reprendre les streams. Bah écoute, moi j'ai enfin eu mon frigo après 3 mois d'attente. Ça va, tu feras de la meilleure qualité que moi. Enfin, on disait c'était pas déjà le cas. Si vous pouvez me la mettre, moi la fibre, ça m'arrangerait. Allez, on va aller rendre le collier à Carjo. Et comme ça, on va lui dire de nous suivre. Hein? C'est Orange la meilleure connexion chez moi? Bon bah... Non, ça me fait chier de devoir passer chaud. Hein, mais...
raisonnerait de voyager avec elle. Par contre, celle qui est à côté de toi, mon pote, a fait peur. Un petit quelque chose pour toi. Très bien, passez devant. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. Ma propre. Voyons cela. Un musée va ouvrir à Aube Étoile. Et le propriétaire m'a demandé de distribuer des invitations aux voyageurs. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Et nous voyageons sur les routes de Paris. Bonjour. À la prochaine fois. Oui, on est glacé en ce qui. Laisse votre route pour conduire vers les salles. Si, si. D'accord. Bah, va sûrement falloir que je change d'opérateur pour ma box. Parce que je viens de regarder, apparemment c'est Orange qui a le meilleur débit. Orange et Free 95 mégabits seconde et SFR 20 mégabits seconde. Grosse diff. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la bonne quali. J'ai cette box de merde. Putain, mais j'ai rien visité par là. Allez hop. Ah mais Free c'est pareil, c'est de la merde. Voir la connexion internet de mon logement. Ah bah putain, enfin. J'espère qu'il faut pas payer. Éligibilité inconnue, donc ils savent même pas quel opérateur sera le mieux pour chez moi. Je suis joyeux. Putain. Bien la peine que je paye un truc de merde comme ça. Putain. Faut que je déménage là, j'en peux plus là. Je vais devenir fou si je déménage pas. Moi, je me fais un goûter de pain, terrine, maison et cornichon. T'appelles ça un goûter, toi? Moi, j'appelle ça le dîner. Pouvez pas aller par là, bah ouais. On va y en retourner à la maison. Et envers chez moi, il y a la fibre. Ouais, tu me trouves un boulot et un appart? À moins de 350?
pour au moins 20 mètres, pour au moins 25 mètres carrés. En mètre carré, je paye 300 et quelques jours, je comprends. Hein? Enfin des vraies choses. Ouais, toi, bah, je peux pas t'aider. Voilà. Si j'ai pas de table, je bouge pas. Il y en a bien un de vous qui a dû faire. Bah surtout que tout ce que t'as sur toi c'est à moi en fait mon garçon même. Bon. Ils ont pas l'impression de gêner ces cons. Quoi? D'accord toi. Mais cassez-vous, nom de Dieu! J'ai pas un truc de bois par ici? Ah, mais c'est des troncs! Qu'il me faut. Il faut que j'aille dans une scierie. Il me pète les couilles là, dégage.
Et ça compte comme du bois, ça? Heureusement. Ouais, c'est bien, j'en trouve plein des apparts, mais c'est par des agences, je veux pas payer des frais d'agence. Sinon, tu fais un apprentissage, tu pourras avoir un appart et les aides. Ouais, bah, apprentissage de quoi? Je suis dans le de... Je travaille déjà, je peux pas faire de l'apprentissage. D'accord, donc ça me sert absolument à rien son truc. Faut que je trouve un bûcheron. Ah, il vous faut quelque chose? Vous voulez du travail? Joli chantier. Dites, on peut vous livrer quand vous voulez. Nous allons vous les expédier tout de suite. Oh non, mais non, je retournerai pas en apprentissage, c'est bon. Je perds déjà assez de temps avec le tas, j'ai pas envie d'en perdre en faisant de l'apprentissage. J'ai pas envie de me faire chier en apprentissage. Allons-y. Mon bac. De quoi avez-vous besoin? C'est tout ce que j'ai. Tu trouveras jamais un taf. Ah bon? De toute façon, que j'ai le bac ou que j'ai un master, ça changera rien. Hein. C'est juste un bout de papier au final. Hein. Puis maintenant, c'est plus les diplômes qui regardent. C'est pour ça que je fais un apprentissage. Ah, écoute, hein.
Moi, c'est avec l'expérience hein, que j'ai du taf. Enfin, c'est pas avec un vulgaire bout de papier. Hein. Non mais ta mère là, putain de PNJ. Nous sommes arrêtés. De quoi avez-vous besoin? De quoi en donc? Ça va, je te dérange pas, Grégor. Dégage. Dégage de là, putain de PNJ, t'es mort. Ah, que ça sent aussi. Putain, mais ils sont de ma gueule ou quoi? J'en ai fait. De pierre extraite. Je suis sur vos talons. Je suis à votre service. Putain mais... Putain c'est dur. Hein. Non, Romain, je pourrais aller plus vite que ça encore. Ah, ça va plus vite comme ça. Hein. T'as quoi comme expérience du jet? Lydia, casse-toi, tu me gênes. Des clous et des tronciers. Feu de BTP, 2 ans de carrosserie, et là je pars sur de la peinture auto. D'accord.
Là, je vais me focaliser sur la construction de, du manoir du lac. Si pouvait arrêter de pleuvoir, ça m'arrangerait. Moi, si je dois compter tous les trucs que j'ai fait. Joli chantier. Vite, hop, du bois comme ça, je ne donne pas. Joli chantier. Vite, hop, nous allons vous les expédier tout de suite. Joli chantier. Vite, nous allons vous les expédier tout de suite. Joli chantier. Si je devais regarder toutes les expériences que j'ai depuis que j'ai commencé à taffer, c'est-à-dire depuis que j'ai, depuis que j'ai 18 ans, je devrais avoir une page recto verso. Tu risques de t'entendre en double bichette. Hein. Oh, ma manette a plus de batterie. Bientôt. Oh, bichette! Oh, ça va, Bibiche? Bah écoute, ça va et toi? Je suis mort. Bah écoute, moi ça va, je suis au CFA cette semaine. Donc... Ah, t'es au CF? Hein? Ouais. Clochard. C'est con quand même de payer un loyer pour au final pas être chez toi. Je m'en fous à la fin du mois, je suis payé quand même. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est con de payer ton loyer si tu es au final, tu y es pas, quoi. Tu peux faire mon appart, là. Ah. J'ai trouvé une entreprise. Ah, c'est vrai, tu m'avais dit, ouais. Du coup, bah, j'ai un appart deux fois plus grand pour... La sainte boîte à bonbons. J'ai un appart deux fois plus grand pour pas beaucoup de loyer en plus. Si je pouvais avoir un 30 mètres carrés pour 50 balles de plus, moi ça m'arrangerait. Bah moi je te dis, je dois payer 350, allez 352 peut-être. Putain, j'ai... Et j'ai 40 mètres carrés. Ça va, tu me mets bien. Bah de ouf. Mon taf il a 15 minutes en voiture, mon CFA 2 minutes. Bon ça va. Après là où je fais mon apprentissage, moi je pense avoir pour payer mon camp d'apprentissage là-bas. Parqué. Putain de PNJ, sérieux. Il y a moyen qu'à la sortie de mon apprentissage, je suis embauché direct derrière. Ah, bah tant mieux. Ce sera bien. Oh, bon, après, c'est pas, c'est pas une entreprise de ouf, hein, par contre. Mais... C'est la vie, mon con. Ouais. C'est la vie. Je sais bon, pas si je vais jouer ça, je me fais chier en sur la plaine. Je t'ai vu jouer avec Valou ce week-end. Bah ouais, parce que ma clé 4G fonctionnait encore. Non. Alors il me faut des accessoires en acier, corne... Putain, non, mais corne de chèvre, accessoires en acier, mais vous me pétez les couilles!
Et du coup, bah là, j'ai Dirt Rally 2, WRC7, Hitman 2, SnowRunner, R6. Il y a un jeu qui serait pas mal à faire, c'est le Predator là qu'ils ont filé sur le PS Plus. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut, mais apparemment il est super bien. Pas trop le genre de jeu que j'apprécie aussi. Il faudra que je le teste. Moi je pense que je vais me garder Hitman 2, WRC7 et peut-être Dirt Rally 2. À faire en stream. Moi mec, avec tous les jeux que j'ai sur mon compte, plus ce que j'ai sur mon PC, j'ai de quoi faire. Hein. SnowRunner en coop, ça doit être sympa à faire aussi. SnowRunner, c'est quoi déjà? C'est un peu transport de marchandises. Mais dans des conditions un peu chiantes. Ouais, genre le convoi de l'extrême. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas, c'est pas le genre de truc qui m'attire. Faut gérer ton carbu, faut gérer la vitesse de ton véhicule. Ah ouais, non. Faut... je dois déjà essayer de gérer ça dans la vraie vie, c'est bon, ça me suffit. Putain, mais. Non, il faut mettre 21, c'est sympa aussi. Mais... Deux troncs sciés. Comment ça, j'ai pas de tronc, tu te fous de ma gueule ou quoi, ton cul de ta mère? J'ai déjà bouffé tous les... Oh putain. Au secours. Je sais pas si je peux faire un jeu. Peut-être me faire un petit... Ah, les petits rallyes. Dirt Rally 2. Avec la petite Subaru 2001. Ah. Ils sont belles les Subaru. La Subaru. Bah franchement ouais. Ça dépend, ça dépend lesquels. Hein. Les anciennes, les récentes, elles sont moins belles. Il me reste beaucoup d'argent ou pas sur ce jeu? Moi je pense qu'une heure et demie ce sera suffisant. Encore une petite demi-heure et on sera bon. La petite la Impreza 2000. Ah ouais. Alors attends, il me reste combien? Je vais en prendre 5. 2. 3. 4. 5. 6. Ça devrait le faire pour l'instant. Oh, j'ai mal partout, putain, c'est infernal. Putain, faut que je trouve un marchand. Espérons que ça crache pas. Comme d'hab. Ouais, ça va, sont jolis. Ouais. T'as vu la dernière vidéo de Jibiox? De qui? De qui? De Jibiox. Non. Alors attends, Isolda va être où cette cruche là? T'es pas obligé de décéder, hein.
Ah, un peu. Tommy. Isolda, t'es où? Isolda. Ça va, Carjo, tu fais ton marché? Bichette. Bichette. J'adore. Non. Vivement que j'ai ma connexion parce que... C'est vrai? Oh non. Ils m'ont trouvé. J'ai besoin de votre aide. Vivement que j'ai une meilleure connexion. J'en ai marre. Bah dis-toi que là, je suis avec la 4G du téléphone. Mais t'as combien en... T'as combien de gigas avec ta 4G? J'ai 100 gigas. Par mois. Ça va partir très vite, hein. Non, voilà, ça va. Bon, tu te dépêches, là, la rouge garde, là. J'ai pas ton temps. J'ai pas de téléphone, je vais m'en faire, ça devrait le faire. Et là, bim, grosse mage. Allez, dégage de là, Garyenné, là. Espèce de touriste, là. Les Alikir. J'ai les Alikir moi, mais... Hein. Oh la grosse pute. Ah d'accord. Ce sont des mercenaires. Ils font ça uniquement pour l'argent. Leur chef est un certain Kematu. Éliminez-le et les autres abandonnez. Je n'ose pas me montrer. Ils me reconnaissent pas tout de suite. Vous allez devoir découvrir où ils se trouvent. On m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville. S'ils l'ont jeté en prison, ils pourraient peut-être me faire parler. Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande est difficile, voire dangereux. Mais je ne sais à qui faire. J'aime bien la meuf, elle dit, je sais pas à qui faire confiance, mais elle dit tout au premier mec venu juste parce que y a des mecs qui la recherchent. Con comme un manche, tout le monde. T'es qui, toi? T'es une dégaine, mon pote. J'en ai rien à péter, c'est pas vous qui m'intéressez. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre, en toutes saisons. Isolde! Apporter un exemple de cet objet de défense de Mammouth. Oui, dégagez, dégagez. Ça ne doit pas être. Mais le pire, c'est que personne ne veut dire. À cause de leur opération. Pour s'en sortir, beaucoup de cagiles deviennent des voleurs. Il suffit de quelques pommes pourries pour gagner toutes les pommes. Vous savez ce que c'est. Est-ce que tu aurais une défense de Mammouth? Est-ce que tu aurais une... Je m'en fous de ta vie, je veux savoir si t'as une défense de mammouth, catin.
Oh putain, qu'est-ce qu'elle est con cette vidéo. Bah, bien sûr que c'est sûr. De quoi, toi, t'es un elfe? Que voulez-vous, joli minois? Alors toi, ma grande, t'es bien gentil, mais même pas tu me touches. C'est bien compris? Bonjour, madame. Hein? Bon, bah, écoute, l'alchimie... J'en ai rien à foutre de l'alchimie, moi c'est pas toi que je veux, catin. J'aime pas l'alchimie. C'est quoi toute cette PNJ, on s'en fout. Ce sont des belles. Ah là, c'est toi. Belétor. C'est toi que je cherchais. Belétor. Belle, 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 belle. Est-ce que tu as des sorts? Oui, mais t'as de la merde. Une défense de mammouth. Enfin. Putain, 446 pour ça. Eh bah putain. Il se torche le cul avec, c'est pas possible. Tu veux un bonbon, Bichette? J'en ai plein. Non, il m'en faut. Pourquoi? Je suis trop beau. Ouais, pff, n'importe quoi. Bichette, je vais en mettre 70, je vais en faire au plus gros 73. J'en fais 20 de plus. Je fais 1m80, je suis censé peser 80 ou 90 kg, je dois en faire 110. Ah putain, que c'est qu'il y a mon amulette de Mara là. Lydia! Vie de ma mère, ça a rien d'intérêt à ce que ce soit toi qui l'ai l'amulette. Je vais me marier. Je vais te marier, je vais te marier. Avec Isolde. Qui est une marchande. Cool, comme ça, tu pourras lui prendre tous ses jeux gratuits. Ah non. Tu payes comme un marchand normal. C'est quoi cette arnaque là? Mais au moins t'as une source de. T'as une source d'achat illimitée. Enfin, quasiment. T'es où, vieux con? Marie-moi. Marie-moi. Par contre, le bonbon tête brûlée à la passion, il arrache la gueule. Putain de nom de Dieu. Le bonbon à la passion, il arrache la gueule. Ouais, c'est une tête brûlée, mais celui-là, tu sais, c'est les. C'est les. C'est pas les bonbons en boule, c'est les. Espèce de langue. Espèce de... Putain, je sais pas comment dire. Attends, je peux en trouver un. Alors, plus vite.
en train de m'arracher la gueule, putain. Il est comme ça. En bas. Allez. Les têtes brûlées en bas, ils arrachent la gueule, putain. Oh, j'aime bien, j'aime bien. La moitié, mais celui-là, il m'arrache la gueule. Putain de nom de jeu. C'est vraiment une petite nature. Va te faire mettre. J'aurais pas à une époque, je pouvais en bouffer 5 sans problème. Assister à votre cérémonie de mariage. Mais connard, je l'attends, moi, la cérémonie. Oh putain, la vache. J'ai l'impression d'avoir... croqué dans un oignon, putain. Non mais Lydia, c'est pas avec toi, je me marie. Dégage. T'es qui, toi? Aïe, aïe. T'es pas obligé de te faire mal. C'est que je me suis planté, que je me jeté assez fort. J'ai droit de faire un gros défi. Mon perso, il a une dégaine. Ah ouais, j'ai le droit de faire. Non mais avec ses cheveux bleus là, laisse tomber. Oui, Bichette, il y a un mec... un personnage émo des jeunes amis. Moi je t'emmerde. Il voit de l'autre un monster et puis c'est un baka. Lol. Je suis un dépressif moi. T'as tout le monde qui a tous les fantômes d'après Wikipédia. Je suis trop un dépressif. Je bois de la monster, je suis un baka. Tu vas être super énergisé puis pas nous. Je suis marié à Isolda. À Isolda, et j'ai failli m'étrangler avec le bonbon, génial. J'ai failli mourir, bordel de merde. Et là, lui. Ma maison à Épervier. Elle vient et elle se supplie de se marier avec. Non, je m'en fous. Je suis la seule et unique mariée de cet homme. Oh putain. C'est la seule combien j'en ai de waifu dans ce jeu. J'en ai au moins 3. Oh la vache. J'ai Serana du DLC de Dawnguard. J'ai Ayla la chasseuse de la guilde des compagnons. Et Lydia de Blanche Rive. Ah bah, c'est pas trop compliqué. Pas du tout compliqué cette affaire. Un petit peu de chagrin. Oh mon dieu. Par contre, là, c'est quoi? C'est la Jarl de... C'est la... C'est laquelle, la femme du Jarl qui a été... Enfin, du roi qui a été tué, qui du coup a été obligé de prendre sa place. Elle est dans quelle ville, cette conne? Ah, bah c'est la ville tout en haut, là. Tout en haut à gauche. Ouais. Ah, Solitude. Exactement. J'ai pas joué longtemps au jeu. Ah ça va, t'as bien tenu. C'est bien mon copain. Ouais, du coup je vais désinstaller parce que je vais... Ah Lydia, c'est une bien belle demeure qui mérite un intendant. Je serais ravi de porter ce... de remplir ce rôle. La meuf elle va me...
pompé sec quand je vais dormir. Théma, il y avait des bandits chez moi. Ah bah y'en a, il s'est fait décapiter carrément. Non mais par contre Lydia, t'es où sale conne? Non. Ah mais du coup je peux plus l'utiliser comme ah. Oh comment il a le seum. C'était pas prévu au programme cette affaire. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Il y a une sauvegarde qui date d'un peu avant que je quitte Fayez. Ça va, tout va bien. Tout va bien. J'ai failli créer un incident diplomatique. Tout va bien. Ah bien, bravo Pierrot. Ah bah super Nils. Heureusement que j'avais pas mon casque. Je tire les pimpons sur le film. Bien. Un chat. Oh, c'est un dealer de Skooma. Un dealer de drogue. Exactement. De la gueudron. On dit du Skooma dans le milieu. Eh, tu veux du Skooma? Eh, tu veux du Skooma? J'en ai, c'est du bon, frère. Ça va les bichettes, t'inquiète pas, y'a des gens en blouse blanche. Tu veux du Skooma? Oh putain. Oh la saturation. Bon lieu. Tu t'as entendu? Depuis tout à l'heure, je m'entends parler, c'est pour ça que je le fais exprès. C'est gros con, hein. Tu veux goûter mon gros Skooma? Tu veux goûter mon gros pistil? Oh yeah. John Lennon. C'est le Lennon. On agresse ma cité. Bah ils vont se rebuter hein. Allez, bonne soirée. Bonne soirée les enfants, c'était drôle. Mais ils sont où ces cons? Ah faut que je le fasse moi-même. Oh les touristes. Ah bah ça y est, ils les ont butés. Bah alors les mecs, faut vous réveiller un peu. Mais ils sont où? Mais ils sont où ces cons? Tu m'as manqué. Mais Starfoula, mais ils sont où ces cons? Starfoula, pourquoi moi? Non mais attends, non. Non alors là par contre s'ils ont réussi à aller là c'est un sketch. S'ils ont réussi à atterrir là, c'est un sketch. Mais ils sont où ces connards? Ils sont dans la baraque? Vie de ma mère, s'ils sont chez moi, je vais leur péter la gueule. Non, tout va bien, y'a personne. Chouing. Bon, elle est où la femelle? Starf, elle est pas là. Elle est où cette conne? La place à Lydia, c'est dans la cuisine. Ah non. La place à Lydia, c'est dans le canapé.
Je vais te péter la turbine à un chocolat. T'es infâme. Ça va, Carjo, tu te débrouilles ? Michel ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Mange tes morts, mange l'herbe. Tu vas devenir vegan, mange l'herbe. Auriez-vous l'habilité de copuler avec l'herbe, s'il vous plaît ? Peut-être pas à ce point-là, quand même. Mais... Tu veux goûter à mon miel ? Tu veux goûter à mon nectar ? Sois mon abeille, je serai ta fleur. Est-ce que tu voudrais pas me butiner ? Ah, c'est dur. Mon dieu. Tu es horrible. Alors, à la base, j'avais épousé Isolda pour qu'elle ramène son cul ici, pour que j'ai pas à faire 40 allers-retours. Et au final... Elle est pas là, cette grognasse. Oh, bah oui, c'est une grognasse. Ouais. Après, il a pas peur. Oh, ma chaîne Twitch, elle va disparaître dans 2 minutes, hein. Pour la peine, je m'en dis tic-tac. Oh. Pour la peine, tu fais des tic-tac. Non, je mange des tic-tac, tu connard. J'ai compris que je ferais des chiffres. Et alors, t'as un problème avec ce machin ? T'as un problème avec TikTok ? T'as un problème avec TikTok ? Il y a des bonnes grosses. Il y a des bons gros boules et puis des bonnes cosplayeuses. Et bon, j'ai rien compris. Ouais. Par contre, c'est littéralement devenu un site pornographique, hein, TikTok. Hein, c'est infâme. Ah oui, non mais TikTok c'est devenu un cycle 7, hein, clairement. Alors attends, j'étais revenu en ville pour quoi ? Pour acheter quoi ? Ah oui. C'est compliqué donc aujourd'hui. Tu rentres sur le temps de presse, Ouais. C'est bio TikTok, hein. Bien pour les enfants, qui de base n'ont rien à foutre sur ce machin. Qu'ont rien à foutre sur les réseaux, ouais. Tout simplement. Oui. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais déjà à peine le droit d'aller jouer dehors. Ouais, c'est clair. Eux ils ont iPhone 17 Pro Max et des PS 78 et puis des Mac dernière gen ils ont des PC gaming à 600 000 euros et toi t'es là comme un pauvre connard et tu en chitarasse pour payer un pauvre loyer. Ouais. Et ils arrivent encore à trouver le moyen de se plaindre. Ouais. J'avais pas fait gaffe, mais le mec, depuis tout à l'heure, depuis que je suis en train de lui acheter des trucs, il avait la bouche grande ouverte en mode. Je suis prêt à accueillir mon vu. On dirait Ghost quand il a la bouche ouverte. Oh, bâtard. Oh, le bâtard.
Quel enculé. Ça m'aurait pas pu, je serais battu. Mec, tu satures tellement, il y a une micro coupure sur ton truc. Ah, la petite Peugeot 205 existe. Oh. Je crois après je vais aller jouer à KH. À quoi? À quoi? À KH. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ouais, je les ai tous. Que je ferai un jour en let's play d'ailleurs. Alors attends. Excusez-moi mon bon monsieur. Ouais, c'est ça, excuse toi, connard. Bah, tu vas te calmer, hein. On a pas élevé les petits cochons ensemble. Non, mais j'adore les grosses cochons. Pardon. Oh putain. Il est infâme, ce truc. Oh. Cet enfant est infâme. Vous êtes infâme, monsieur, vous le savez, ça? Bah ouais, je sais. J'adore, ça m'amuse. Ouais, ça s'entend. Ça m'amuse et tu sais pourquoi? Parce que j'adore, Parce que j'adore le cul. Culé. Putain. Il me manque le lit double. Ah! Il me manque 4 banques de... 4 banques de cuir. Deux habitants, on va voir si t'as mon service. Hein, quoi, allô? Je fais ce que je veux, connasse. Tu vas pas me dire ce que je veux faire, non? Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Je rame du cul! Mon perso rame du cul. Ah mon dieu, un sous-sol. Oh mon dieu, oh, une cave. Je viens de me détruire la gorge. C'est bon pour vous? Alors à quoi ça, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Ça fait bien que je me détruis. La gueule. C'est magique, magique. Gros con. J'ai retenu la gorge. Je te permets pas de me traiter de gros. Tous les trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Ah, je fais des réserves pour cette couverture. Oh putain! T'es prêt à hiberner, mon con? Ah bah. T'es déjà prêt à hiberner là, t'as pris trop d'avance là. Ah bah là, je suis prêt. Tu sais quoi? Je suis prêt pour un hibernage. Alors, je vous annonce que Grégor est possédé par le démon. Je sais pas si t'es encore sur le stream. Ah non, mais je sais pas si t'es encore sur le stream, mais regarde. Aïe, aïe. Non, je suis pas sur le stream. Le mec, il en... Enfin, tu sais, les PNJ dans Skyrim, quand il y a un feu, genre cheminée, ils se mettent devant, et ils mettent les mains en avant, ou alors ils se mettent... Ouais. À genoux devant. Bah là cet abruti est en train de faire la même mais sans feu de cheminée. Genre même sans cheminée. Genre débile. Débilus. Ce mec est con comme la mort.
On dirait Bichette. Oh. 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 Ah non, merde, c'est pas la même catégorie ça. 18 plus. Putain, il en a plein de caleçons. Oh, il en a plein dans sa slip. Ça me gratte sa merde. Ah bah super Nils. Peggy 18 ans. Hein, que 18h35. Je me fais chier en ce moment sur la console. C'est un truc de ouf. Moi c'est pareil. J'ai 50 milliards de jeux mais je sais pas auquel jouer. Voilà. Bon, de toute façon on va s'arrêter là pour ce soir. Une petite heure 36. Ce sera amplement suffisant. Qu'est-ce que t'as dit? Ça commence à 17h, ressources. Oui. Du coup, mesdames et messieurs, je vous dis adieu. Je vous dis à mercredi. Ou le reste de la semaine, ça dépendra. De bisous, et oubliez pas, mangez du foin. Bisous sur le petit pute. Oh!